Lundi 2 septembre 2024, là, pendant une conférence pour la presse dans la salle conférence Direction générale police nationale d'Haïti dans Clessine, commune Taba, commissaire divisionnaire Michel-Ange Louis Jeune, porte-parole police nationale d'Haïti, officiellement présenté nouveau porte-parole mission multinationale soutien à sécurité à force l'armée pays d'Haïti. Pendant le temps profité occasion, porte-parole PNH Land bail information détaillée sous opération force l'audio a mené notamment dans quartier Belay Solino et Delma 2. Population reconnaît jusqu'à date opération a bien avancé. D'abord, force de l'ordre fait un bon usage adéquat sauvé de l'ensemble de matériel qui est impliqué dans l'opération ça. C'est comme ça. Il est arrivé à libérer plusieurs espaces que la population n'a pas bien accès. Ils ont parti dans le fort national plus ou moins libéré. Badelma, côté circulation plus ou moins à comprendre, et que mon véhicule capable de circuler, tant qu'on est capable de remarquer ça. Plusieurs bandits sont arrivés à stopper. Ou bien continuer à stopper puisque l'opération va continuer. Avant déploiement, agent yo sous terrain, directeur général AI Police Nationale d'Haïtien, Nomil Rameau, organisé une séance motivation pour troupes liyo. Li salue bravo ak dévouement policier qui engagé dans diverses opérations qui visaient démanteler groupes criminels qui a bay problème dans société. Autorité la police fait connait opération Sayo qui initié depuis semaine qui s'est passé là dans centre-ville Port-au-Prince après cas possible dans l'idée pour permettre à la population vaquer librement à occupation. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour Véroa Créole.